Ça vient, ça vient. Ça charge, ça charge. C'est parti. Salut tout le monde. Petit stream nocturne. C'est pas souvent. En vocal, c'est encore moins souvent de nuit. Et on relance Banishers. On va faire la balance sonore dans quelques instants. Notamment entre la musique du jeu, l'action effrénée et puis les commentaires. On a joué près de 4 heures cet après-midi. On s'est fait tout le début. On commence déjà à avoir quelques idées sur ce qu'on pense du jeu. Des nouveautés intéressantes de ce mois de février par l'équipe d'Ontnode. On sait qu'ils sont capables de faire excellente chose. J'avoue que j'ai beaucoup aimé assez récemment leur Vampire. Et là, il se trouve que mon PC le fait fonctionner. Alors, au minimum du minimum, hein, au plancher du plancher, sous le plancher même. Alors. Écoutez, je vais aller voir sur le retour pendant cette jolie phase d'introduction. Notre camarade Red est tout seul d'ailleurs. Je le remarque par la même occasion. Alors, je tends une oreille. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ben écoutez, on a l'air d'entendre la musique derrière, donc c'est déjà pas mal, et on entend ma voix. On a l'air d'entendre la musique derrière, donc c'est déjà pas mal, et on entend ma voix. Je vais supprimer l'écho, bien sûr, mais il faudra voir pendant les dialogues, parce qu'il faut que les dialogues restent bien forts. On va faire un petit tour par les options. Comme d'habitude, hein, vu que je suis pas ni partenaire, ni affilié, évidemment. Je peux pas laisser tourner en 1080 sur mon portable, hein, pour le coup, pour avoir le retour. C'est un peu pénible. Ça prend de la bande passante pour rien du tout. Donc je regarderai le chat et les éventuelles questions des gens qui passent toutes les 10 minutes, hein, ou tous les quarts d'heure. Donc vous attendez pas à ce que je sois là à vous accueillir à la seconde S. De l'instant I, du timing T, hein, parce que pour le coup, voilà, j'ai un petit peu de gameplay à faire, et techniquement, je fais ce que je peux. Alors, au niveau vidéo, c'est tout juste, hein. Vous avez vu que parfois, dans certains environnements un peu complexes, ou pour des animations qui n'ont pas encore été chargées, eh ben, on se retrouve avec des chutes de FPS, des chutes de framerate absolument maus. De toute façon, la fréquence maximale, elle est de 37. 37 2 le matin et le soir. Bon, on est quand même en 1080, mais tout le reste est désactivé. C'est une horreur, mais le jeu reste très beau en low. C'est déjà une bonne chose. À savoir. Voilà. Quand les attaques, notamment l'attaque lourde, est assez longue à charger. Lors de l'apparition de plusieurs ennemis à l'écran, normalement, c'est assez flagrant. Mais on s'en est quand même pas mal sorti, et c'était pas désagréable à suivre, je pense.
dans cette première partie. Voilà. Donc volume des dialogues, voilà, on va mettre à fond. Volume de la musique est un peu en dessous, ça c'est normal. Voilà, donc normalement, ça devrait être bien. On applique, on revient, et on va charger une partie. Ouais. On va charger une partie. Celle-là, 18h16. Voilà, bah, sauvegarde manuelle. Parce qu'en fait, on a failli rater autour du point de sauvegarde une décision très importante qui suit ce qu'on avait fait et l'engagement des deux amants sur une pente qui les amènera peut-être aux plus grandes désillusions ou au contraire au bonheur retrouvé, contrairement à Orphée et Eurydice. Hein, il y a une partie du scénario du jeu qui est visiblement tirée de ça. Et comme ils complotent quand même pas mal pour utiliser leurs atouts à leur propre fin, finalement, il y a un petit côté, quitte à prendre la vie d'innocent, disons, quitte à prendre la vie de gens vivants, il y a un petit côté époux Macbeth, hein, Macbeth et Lady Macbeth de Shakespeare, également dedans. Voilà. Et c'est vrai que c'est la bonne surprise. Hein. Franchement, je n'attendais pas grand-chose. Et j'ai pas été déçu, dans le sens où vraiment, c'est assez captivant. Que ce soit le thème, c'est un peu l'ensemble. L'histoire, ce côté chasseur de fantômes, chasseur de démons, paracouple, dans cette nouvelle Angleterre de fantasy, un peu. Tout est un peu sombre, tout est un peu glauque, tout est obscur, tout est un peu désespéré. Et cette idée de ramener à la vie sa bien-aimée, en tout cas dans le monde, en permanence dans le monde des vivants, c'est un thème tout à fait intéressant. Et on est amené à mener des enquêtes, plus ou moins subtiles, mais intéressantes en tout cas, sur les gens qu'on rencontre et leurs dilemmes. Puisque certains d'entre eux sont hantés par un proche. On essaie de savoir pourquoi, on essaie de résoudre le problème, et on découvre des réalités terribles. Donc il y a certaines de ces histoires qui servent de side quest, hein, de quête annexe, mais il y en a qui sont intégrées à l'histoire principale. Et donc l'objectif, ça va être à la fois de ramener à la vie notre partenaire, notre bien-aimé, pour de bon, et puis de se venger de ce premier boss, de ce spectre, de ce démon très très puissant, qui nous a éclaté, hein, il faut bien le dire. Je lui ai enlevé assez brillamment, je dois dire, un tiers de barre de vie, et après, ça a déclenché la cinématique qui devait arriver. Que d'ailleurs, dans la panique, pensant qu'il y avait un QTE, j'ai passé, donc ce qui fait qu'il nous manque la moitié de la cinématique. Lorsque je vais télécharger la première vidéo, et puis celle-ci, pour faire un montage pour YouTube, pour le garder en permanence, eh bien, je pense que je vais essayer au milieu de rajouter le petit bout de scène qui nous manque. Alors, j'espère pouvoir le rejouer à partir d'une de mes sauvegardes. Sinon, eh bien, écoutez, voilà, j'intégrerai une scène que je trouverai ailleurs. Hein, voilà. Je vais voir ça avec mes collègues streamers, si je peux utiliser une partie de leur contenu, puis sinon, eh bien, écoutez, je rejouerai moi-même, mais ça prendra un petit peu plus de temps, parce que je n'ai pas que ce jeu à faire. Alors, j'ai encore des trucs à ramasser, là. Ah non, ça, c'était la viande d'un PNJ. Enfin, c'était pas la viande pour un PNJ, c'était la viande faite à partir d'un PNJ. C'est pas moi, hein, c'est pas ma faute. Il y a des bouquins qui traînent un peu partout, mais ça, on a lu. Il était question que je me repose. Ça permettra de faire le point avec ma bien-aimée. Donc il y a un nouvel arbre de compétences qui s'est ouvert à moi lorsque j'aurai des points, parce que pour l'instant, j'en ai pas. Voilà, je suis au niveau 5. Voilà, donc je sais pas. Voilà, augmenter de 30% les dégâts infligés par raid aux ennemis ayant l'intégralité de leur point de vie.
Voilà, ça permet de bien commencer et de leur enlever déjà un bon paquet. Ça peut être intéressant. Alors, par contre, quand on prend des embranchements, on ne peut pas tout avoir. Ça élimine un certain nombre de possibilités. Ça, c'est un petit peu dommage parce que j'ai dû renoncer de ce fait à des capacités qui m'intéressaient, que je voulais. Bon, donc. C'est dommage, mais bon, voilà. Quand on prend une branche, eh bien, il faut suivre la branche, voilà, et puis c'est tout. Tant pis pour ce qu'on est censé abandonner. Par exemple, là, si je choisis celle-là, j'aurais pas droit d'avoir l'autre. Pareil ici. Vous avez vu ici que j'ai pris. Où est-ce qu'il est le précédent ? Attendez. Voilà, il était là. Vous voyez ici, par exemple, eh bien, voilà. Je ne pouvais pas avoir les quatre. J'ai suivi un chemin et ce chemin m'empêchait de revenir en arrière et de prendre d'autres qui auraient pu m'intéresser. Et là, apparemment, pour celui-ci, ce deuxième arbre de compétences, eh bien, ce sera pareil. Bon, ça, c'est un petit peu dommage d'être obligé comme ça de faire des choix. Bon, voilà. Ça permet de personnaliser son gameplay, mais bon. Pareil que le jeu est pas très très long non plus. Voilà, bon, ça aurait été bien qu'on puisse avoir un personnage OP. Ça aurait été sympa. Bon. Apparemment, ça sera pas le cas. Ensuite, bon, le repos. Je sais pas si je me suis... non, vous voyez. Il me reste deux potions, c'est-à-dire deux charges de décoction pour me soigner sur trois. Donc ça veut dire que je me suis pas reposé au feu de camp. L'inventaire. L'inventaire, j'ai pas trop compris encore... Mais je crois qu'il y a un tutoriel à un moment. Comment on obtient ou on améliore un certain nombre de choses. Parce que j'ai plein d'endroits encore à remplir. Et puis ici, quand j'ai deux objets, je crois que c'est parce qu'il y en a un qui était dans le DLC, en fait. Qui était meilleur que celui de base. Donc évidemment, je me suis reporté sur lui. Mais je crois qu'on craft... Parce qu'on a beaucoup de ressources qu'on ramasse au fur et à mesure. Ça, on a bien l'habitude avec ce genre de jeu d'aventure. Mais c'est un petit peu bizarre qu'on n'ait pas encore eu le tutoriel sur ça, si c'est possible. Donc, on va voir. À moins qu'on tombe dessus dans des coffres. Et puis, basta. Le voyage rapide n'est pas encore disponible. Et puis, je vais me reposer, et puis on va continuer. Et il va y avoir tout de suite une scène très très importante, pendant laquelle je vais me taire, puisque c'est là que les deux amants vont finir de sceller leur stratégie et leur pacte. Qui va leur poser un dilemme moral, qui a commencé d'ailleurs à leur poser un dilemme moral très important, et qui va avoir des conséquences pour la suite du jeu. Jusqu'à sa fin ultime, je pense. Cet homme a tué et mangé son ami. Quand j'étais soldat, j'ai entendu des histoires sur des assiégés qui s'entre-dévoraient. Certaines étaient vraies. La famine est un maître féroce. Jacob était affamé. Hein, comme toi. Comme moi. Jamais je n'aurais imaginé châtier qui que ce soit. Je n'ai pas tué depuis que j'ai quitté l'armée. J'avais juré de ne plus tuer. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Bonne soirée à toi, Eric. Merci d'être passé. Bon, il n'y avait pas de dialogue, mais je vais vérifier qu'on l'entend bien. Le micro, par contre, lui, il a l'air de bien passer. C'est notre nouveau micro. Elle est le gâteau F3, offert par Ezio, dont on est très content. Alors, on devrait peut-être revenir sur notre décision. On a fait le bon choix. Moi, je suis d'avis d'aller jusqu'au bout, maintenant qu'on a commencé. Et on verra bien. On a fait le bon choix. Et on l'a fait ensemble. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, pour que je puisse ressusciter, on va voler de l'essence humaine. On va tuer des gens pour nos propres fins. Des êtres bien vivants. On ne sera plus bannisseurs.
Et oui, c'est le problème un petit peu. Red est sur le point de prêter serment. On entendait bien les voix, il me semble. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Bah écoutez, on est parti. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, mais je pense qu'on est parti pour un moment. Red est sur le point de prêter serment à Antea, et ensemble, ils choisiront son destin. Ah, j'espère que c'est bien Antea. Et que c'est pas une manifestation démoniaque ou qui va évoluer vers une manifestation démoniaque qui va se transformer en cauchemar et qui compte sur nous pour lui redonner la vigueur et l'énergie nécessaire pour revenir dans le monde des vivants où elle serait peut-être encore plus redoutable. J'espère qu'on ne nous prépare pas quelque chose comme ça, parce que sinon ce serait un gros twist, hein. Ça serait intéressant, mais ce serait terrible. Parce qu'en fait, elle aurait manipulé Red du début jusqu'à la fin pour parvenir voilà, à réaliser son plan diabolique. Ça serait terrible. Les choix que vous faites lors des résolutions des cas de hantise influencent vos chances de respecter votre promesse l'un envers l'autre. Bah. Ah, si on décide à chaque fois de blâmer sans état d'âme, bah, on blâmera. Hein. S'il faut blâmer, on blâmera. Et puis, on récupérera l'énergie dont on a besoin. Et puis voilà. N'oubliez pas, quel que soit le serment que vous avez prêté, vous restez libre de faire le choix que vous voulez lors de la résolution d'un cas de hantise, mais il faudra en assumer toutes les conséquences. Le jeu nous pousse très clairement à la ramener. Hein. Quelles sont les conséquences réelles que ça aura, à part une trahison éventuelle de l'un des deux. Bon, ça aussi, c'est original parce qu'on ne le voit pas, on ne le voit pas souvent. Déjà, on joue rarement deux amants qui ont des pouvoirs et sont tous les deux impliqués dans l'action elle-même, qu'on joue alternativement, voire ensemble. Mais en plus, qui se font confiance, mais qui se font confiance pour quelque chose de fondamental et qui est un choix moral. Et l'un des deux peut trahir sa parole, surtout Red, en l'occurrence, éventuellement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, pour le coup, et qui fait l'originalité du jeu. Que moi, j'ai beaucoup aimé dans la première partie. Eh bien, ma foi, Red jure qu'il aidera Antea à revenir à la vie, une fois qu'ils auront récupéré son corps dans l'église de New Eden. Là, on a affronté le boss. Pour être efficace, le rituel de résurrection nécessaire nécessitera le sacrifice de nombreux colons à l'aide d'un rituel de blâme. Eh ben écoutez, on y va, hein ? Bien. Alors c'est réglé. Merci. Ben, on va essayer. J'espère que tu ne le regretteras pas. Ah ben, je ne le regretterai pas si t'es vraiment en terre. Nous paierons le prix ultime. On peut appeler ça blâmer, mais au fond de nos cœurs, on saura qu'on prend des vies. Combien ? Je ne sais pas. Peut-être beaucoup trop pour toi. Je veux qu'on redevienne comme avant, Red. Je veux me venger de ce qui m'a tué. Je veux vivre. Je le veux aussi. Je le veux de tout mon cœur. Aucun prix n'est trop élevé. Je le ferai. Je t'en fais la promesse, mon amour. Tu reviendras d'entre les morts. Bon, bah, c'est réglé, hein. Je me demande si notre confrérie ne pourrait pas nous tomber dessus, parce que c'est une sorte de trahison de notre serment, de notre boulot, hein, donc... voilà. Oh, 1800 XP, écoutez, merveilleux, je ne sais pas trop ce que ça va faire. Retourner au pont détruit. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, qu'est-ce commencer, ceux des bois. Voilà, donc, écoutez, avec nos 30 FPS, au mieux, on va faire ce qu'on peut, ok. Ah, on a un changement de temps, là. Il pleut, maintenant. On a eu de la nuit, on a eu du soleil un peu brumeux,
Et maintenant, on a de la pluie. Alors, où est-ce qu'il était, ce pont? Est-ce qu'on a une carte du coin? Ouais. Alors, où est-ce qu'il est, ce pont? C'est là, ouais. Ah bah, ça va. Ça va, sauf que... Quand on regarde la carte, c'est pas trop par où on va passer. Ça veut dire qu'il va falloir changer de niveau. On l'a fait déjà, hein, puisqu'on était arrivé jusqu'au pont. Il y a pas mal de gens qui se plaignent de la carte, parce qu'en fait, comme tout est assez naturel, qu'il y a des arbres partout, des ravins, etc., des rochers, en réalité, c'est parfois un petit peu compliqué de trouver son chemin et de savoir par où passer. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer... On va passer par là et on va tourner. On verra bien ce qui se passe. Donc il y a des gens, ça les perturbe. Et ils trouvent ça assez frustrant. Et puis, bah, il y aura des combats. Donc ça veut dire qu'il faudra recharger les attaques. Très probablement. Donc ça veut dire qu'on aura des drops de framerate hein, assez réguliers. Donc je sais bien que ça fera un peu dégueu à l'écran. Hein. J'en suis désolé. On était passé par là pour descendre. Là, je crois pas que le pont soit en bas. Il est plutôt en hauteur. Donc, par où on était passé? Je ne sais même plus par où on était passé. Est-ce qu'on avait pris le... Ouais. Je crois qu'on avait pris le tronc. Bon, là, on est en low, au niveau des graphismes, mais c'est pas si moche. Hein. Ça va. Pour moi, c'est jouable. Alors, on va essayer par là. Je connais pas encore trop la région. Je me sens plus forte. Allons voir si j'avais raison à propos de ces traces spectrales. D'accord. Donc, on va faire un truc... Alors, est-ce qu'on nous a remis des ennemis, là? Non? D'accord. Les fameuses traces jaunes, qui sont devenues le passage obligé dans tous les jeux maintenant pour indiquer qu'on peut escalader. Pour l'instant, on a du mal à se faire une opinion de la taille du jeu. C'est difficile à dire. Je devrais pouvoir faire le saut. D'accord. Tes anneaux de ban vont nous aider. Peux-tu me trouver l'endroit où les traces s'alignent? Oula, toi tu m'en poses des questions. Hein. Encore un puzzle à la Hellblade. Je déteste ça. Dès qu'il faut remettre un pont dans le bon sens. Alors. Tu veux qu'il t'aide à quoi? C'est toi qui vois les traces, ma poule. Donc, à quoi tu veux que je t'aide? Ça, vous voyez, c'est un truc, on nous demande quelque chose, déjà, c'est mal expliqué. On ne sait pas ce qu'on a à faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, lui? Il peut rien faire du tout. J'aime bien quand on nous met dans une situation où on comprend que dalle. Il va falloir se mettre dans un angle un peu particulier où, voilà, on dirait, voilà, il y a une sorte de... Voilà, on commence à voir un truc qui se dessine, là. Ouais, à mon avis, ça sera peut-être en bas. Ça, dans Hellblade, il y en a plein. Et c'est les pires... Les pires puzzles du jeu, c'est ça. Bon, allez, maintenant, tu le vois, ton truc? Presque, mais... c'est pas tout à fait ça. Oh là là.
Je sais même pas si c'est vraiment ce qu'on nous demande. J'aime pas quand on a un truc à faire dont on n'a pas eu un exemple en didacticiel. Après, on peut faire un exemple plus compliqué. On peut faire quelque chose de différent, de plus complexe, avec plus d'éléments. On tâtonne, on finit par trouver. Allez. Mais ça, on l'a jamais fait, par exemple. Viens avec moi. Par les baloches de Satan. Ça va être ma nouvelle phrase, ça, au travail. Tout va bien. Très bien. Ok. Donc, le but, c'est toujours de rejoindre la ville. Ok, donc on alterne maintenant entre les deux, hein, en fonction de ce qu'on peut apercevoir éventuellement comme trace spectrale. Mais là, on a fini, non? Bon, on va être amené à le refaire, le grand bond en avant. Hein. Bon, mais on a toujours notre truc à la main, là? Non, c'est bon. Alors, c'est par où? Bon, je vais remettre la carte, parce que s'il y a un chemin à aller looter... D'accord, donc... C'est que la ville est là, c'est ça? En fait, on sait pas du tout où on va. D'accord. Bon, de toute façon, on va être amené à passer... Je sais pas si on va pouvoir sauter, là, par exemple, ou s'il va falloir faire demi-tour. Écoutez, on va aller looter là-bas, pour commencer. Il y a peut-être des monstres au bout. Voilà, frame rate, parce que j'ai pas ressorti mes armes depuis 50 ans, donc... On a le frame rate en PLS. Encore une route qui ne mène nulle part. Tu penses qu'on peut sauter? Il n'y a pas de trace spectrale. Je ne peux rien en tirer. D'accord. Dans ce cas, on va trouver un autre chemin. Oui. Pays de merde. Quand on sera revenu à New Eden, tu n'auras qu'à porter plainte. Je veux du cuir. Et dire qu'il y a quelqu'un en ville qui se demande « Mais pourquoi il n'écrit pas ?» Ben oui. C'est la vie, pas le paradis. Voilà, donc... Ça, j'ai l'impression que c'est un level design qu'on va beaucoup avoir. Le petit coin à aller looter, puis revenir sur nos pas... C'était pas un petit saut, ça. Un des avantages d'être un fantôme. Mais je me sens maladroite. Je ne maîtrise pas mes gestes. Tu finiras par y arriver. Tu le fais toujours. Les combos en combat avec elle, j'ai pas encore bien compris comment les utiliser. Généralement, je me fais un peu rétamer quand je cherche à les faire. Voilà, donc là, on a eu une nouvelle zone. Donc, frame rate... De ce que je vois, on passera pas par ici non plus. Ah bon? Bah, pourquoi tu dis ça? Ah! On a des ennemis là-bas, mais c'est pas la question. C'est quoi le problème? Ah, parce qu'on va pas regarder la carte toutes les deux secondes, c'est bon. Oui, alors... Ouais. Bah, quand faut y aller, on y va. Hein. Voilà, donc on va aller se castagner. Oh là, bah, c'est qu'ils sont... Ils sont un petit peu nombreux. Utilisez la manifestation bon avec LB pour engager le combat et vous rapprocher instantanément de votre cible. Attention, une possession spectrale.
Ouais, bah ça n'a pas du tout marché, là. Petit souvenir des Highlands. Voilà, là elle vient m'aider automatiquement parce que j'ai mis un certain nombre de coups. Alors, et voilà. Quelque chose d'utile. Alors, déjà qu'on a la baisse de framerate, si en plus on est interrompu toutes les deux secondes, vous avez trouvé un foyer d'activité spectrale. Éliminez la menace. Vos points de santé et vos charges de décoction seront pleinement restaurés au début et à la fin de ces affrontements. Éliminer un foyer vous accorde un bonus de puissance permanent. Point d'attribut. Et ben voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Va falloir purger ce nid de spectre. Oui. Et on fait comment? On fait un rituel? Ah, c'est bien. Et alors... Forcer un fléau à apparaître. Cela forcera tous les types de fléaux à se manifester. Moissonneur, furie, affliction. Donc c'est ça, il faut les faire apparaître pour pouvoir les purger. Ou on fait une manifestation forcée. Bon, ça, à mon avis, c'est plutôt ça. Hein. De toute façon, je suppose qu'il nous le dirait. Attention, j'en vois un autre. Ah oh oui, mais j'ai pas que ça à faire. Encore un. Il a l'air sympa, celui-là. Je suis toujours là. Ce n'est pas encore terminé. Alors, je me suis gouré. Oh là là, là, c'est tout de suite un peu brouillon. C'est bon, t'as récupéré? Mais... Oh, je me suis gouré de touche! Pourriture. Je me soigne alors que j'ai pas besoin de me soigner. Ouais, c'est une sorte d'arène, hein, leur truc. Hein. Tu vas te tirer, oui. Ouf! Et je me suis encore gouré. Avant qu'il ne prenne possession du corps. C'est celui-là qui va pas. La. On a touché sa corde sensible. Oui, et... Attention, une possession spectrale. Ouais, Je n'arrive pas à les toucher. Bois un truc, là. Ah, mais c'est toi, là. Celui-là, il est costaud. Il y en a plus. Ah, bah, je vais crever, hein. Ça, ça va pas du tout, ça. Tu veux pas soigner mon pote? Je vais crever, hein. On a tout utilisé. Ah, merde. Non! Pitié! Non! Ah ouais. Eh ben, je suis mort pour la première fois, hein. Bon. Eh bien, voilà, c'était un petit peu con de ma part. Alors, est-ce que j'ai pas le niveau pour faire ça? Donc, est-ce qu'il faut que j'y revienne plus tard? Est-ce que je m'y suis pris comme un manche? C'est possible.
J'ai utilisé des décoctions alors que j'en avais pas besoin. Parce que je me suis gouré de touches. Ça, c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'il fallait que je fasse le rituel maintenant ou est-ce que je devais le faire plus tard? Je ne sais pas. Ce serait dommage de nous faire passer par un endroit alors qu'on n'est pas au niveau. Hein. Ça serait un peu dommage. J'espère qu'ils vont nous remettre juste avant. Il aurait fallu qu'on mette le paquet au départ sur ce spectre vert qui avait l'air particulièrement puissant, là. Mais bon, là, j'avoue qu'on s'est fait botter les fesses. Ah, petit temps de chargement de 3 heures. Je vais en profiter pour aller voir le chat. Première fois qu'on meurt. D'accord, donc au moins... On est là juste avant le rituel. Donc on va voir si on est obligé de le faire. C'est pas totalement certain. Et ben voilà, on voit ce que ça donne quand on meurt. C'est bien, ça change. Bon, on est obligé ou pas? Est-ce qu'on peut aller faire autre chose? Parce que là, vraiment, je suis pas convaincu que j'ai le level. Trouver un moyen de traverser. Oui, ils nous disent pas qu'on peut le faire. Est-ce qu'on pourra revenir après? Bon, trouver un moyen de traverser, allez. Je crois que j'ai pas le niveau, hein, donc voilà. Là, il y a un truc jaune. Il y a quelque chose dans le coin. Mais c'est... où exactement? C'est plutôt une bonne idée. Il y a des traces. Si elles s'alignent, peut-être qu'on pourra sauter. C'est toi qui vois. Je me contente de suivre le mouvement. Mais des traces de quoi? Oh là là. Ça, c'est une mécanique. Ça va me saouler, je le sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Il n'y a rien. Ici, il y a un camp. Bon. Ah voilà, ça y est, je me suis re-soigné alors qu'il n'y avait pas besoin. Ça y est, j'ai recommencé. Hein. Oh, il faudrait que je remappe les touches à ma convenance parce que là, ça ne me va pas. Ici. Ah, c'est pas un peu haut. Ça recommence. Allez, c'est reparti. C'est bon. Ok. Oh, rappelle-moi de fermer les yeux la prochaine fois. Bon, je n'étais pas obligé de faire le donjon, entre guillemets, maintenant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah ben ça, c'est ceux qui sont barrés de New Eden, justement. ils sont pas allés... ils sont pas allés beaucoup plus loin. C'est dommage. Bon, ben pour eux, l'aventure s'est arrêtée ici. C'est très dommage, mais... C'est comme ça, c'est la vie. Bon. Anne, ma sœur Anne, est-ce que tu vois quelque chose? Une forêt profonde. Avec des bruits chelous. Bonne ambiance, j'avoue. Ah, on est déjà sorti. Ah. C'est ce passage-là. Par les baloches de Satan. Par les baloches de Satan. Ah, ça irait mieux si j'étais à l'endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Un
un piège. Jacob Lind avait parlé d'un camp de chasseurs. Il est peut-être dans le coin. Ah, je l'ai vu ce passage-là dans d'autres streams. Il y a quelque chose ici. Quelque chose de vivant. Oui. Génial. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Je viens de New Eden. Ça fait une sacrée trotte. Et vous êtes qui, au juste? Je m'appelle Red MacRace. Je travaillais pour les élus de New Eden. Je suis bannisseur. Ouais. Vous êtes pas censé être mort avec l'autre dans l'église. Je suis tombé à l'eau. J'ai été emporté par le courant, mais j'ai survécu. Enfin, jusqu'à maintenant. Je n'avais encore jamais vu de bannisseur. Je suis un peu déçu. Pourrait-on continuer cette discussion quand j'aurai retrouvé le plancher des vaches? Déconnez pas. Arrêtez de gigoter. J'ai dit, bougez pas! Essayez donc de pas bouger avec une gamine qui vous tire dessus! Si vous n'êtes pas content, bannisseur, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Quoi? Non! Non! Notre camp est au pied de la colline. Je vous attends là-bas! Venez! Merde! C'est pas toi qui vas m'aider, je me trompe. C'était amusant. Ça fait plaisir de te voir sourire. Attends, il y a quelque chose par ici. Quelque chose de vivant? Non. Le Bigfoot. Ah non. Il faudrait se dépêcher un peu. Hein. Oh. Il est stylé. Tu peux y arriver. Comment? Pitié. Ah bah ça va. Mais putain. Qu'est-ce que c'est emmerdant ça. Lorsque des ennemis bloquent vos attaques, vous pouvez transpercer leur défense à l'aide de mouvements tels que les attaques chargées, oui c'est ce que je viens de faire, les manifestations dans TA, les changements parfaits. Oui mais je sais pas ce que c'est ça, donc... non. Vous voyez là par exemple, j'ai pas trop compris là. Allez! C'est terminé! Terminé pour toi! Oh putain, mais non! Et qu'est-ce qui se passe là? Ah bah en plus, j'ai raté celui que je voulais avoir. Ah. Je crois que j'ai fait l'attaque par une parade parfaite. Il faut mieux ne pas chercher un bannisseur. Ah.
Allez, c'est bon, là. C'est bon, là. Qui c'est qui est là encore? Ah ouais, ok. Ça va bien. Je me suis dit qu'ils étaient encore en train de m'arnaquer. Ça, ça va. Ça, pour le coup, ils étaient pas trop durs, ceux-là. L'autre point, j'irai une autre fois, parce que visiblement, je n'étais pas assez fort. Oh, ben il y a des choses sympas, là. Des coffres runiques. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bracelet d'harmonie. Eh ben, allons voir ça tout de suite. Bracelet d'harmonie. Mais elle avait pas déjà un bracelet? De toute façon, il faut un feu de camp pour... Non? Si? Oui? Ah non, elle avait une amulette, elle n'avait pas de bracelet. Ah bah c'est bien. Ça augmente nos stats. Ah bah tant mieux. Moi content. Bon voilà. Ça a été un combat vite mené. Je me suis bien défendu. J'ai pas perdu trop de vie. C'était bien. À l'attention des démons qui souillent l'endroit de leur corps en décomposition à moitié mangé et de leurs flèches sanglantes brisées et tranchantes. Honte à vous. Ok. Ah, ça doit... tellement désert qu'il pourrait. Ça doit les impressionner, les spectres. Hein. Honte à vous. Bon, alors les autres, ils habitent un peu plus bas, là, d'accord, à côté de cette grange toute moisie, là. Il y a des traces de vie là-bas. Eh ben oui. Bon, c'est pas moche, hein, mais en même temps, la Nouvelle-Angleterre, surtout à une époque encore sauvage, on sait que c'est pas moche. Hein. On n'est pas très surpris. Bon, j'ai l'impression que les combats vont être un peu répétitifs. Surtout les ennemis. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a deux routes. On va aller vérifier ça. La carte met 300 ans à s'ouvrir. Pff, pénible. Oh là là. Pff. On est freeze ou quoi, là? Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous... On freeze dans le menu, quoi. Je veux dire, bon... C'est quoi l'idée, quoi? Bon, le camp, il est là-bas. Je sais pas si on a tout... Ah, le nid, voilà. Si je veux le retrouver... Ensuite... Il n'y a pas une indication de... De niveau... Progression du monde, 2%. Ah bah, elle est dedans, là. Bon, je vais quand même regarder le chemin du dessus. Il y a l'air d'y avoir quelques ressources à prendre. Oui, voilà, on va se retrouver. On va se retrouver exactement au même endroit. Très bien. Ah, et puis clairière à monstre. Voilà. Ouais. Génial. Oh. C'est pas fini. C'est pas assez fort. Décoction, décoction.
n'obtiendront jamais la leçon. Encore un ? Ok. C'était chaud, là. Ça doit être le camp dont parlait l'autre folle. Il ne paye pas de mine vue d'ici. C'était qui, au juste ? Une sorte de chasseuse. Et apparemment, ta tête ne lui revenait pas. Putain de frise. Oh là là. Ça frise plus ce soir. Quand les temps sont durs, rares sont ceux à aider un étranger. Bon, sinon, on est pas mal, hein. Plutôt un level design sympathique au niveau du paysage. Enfin, il faudrait que je marche un peu plus, que je cours moins le temps que tout ça se charge. Mais bon... ça coupe un peu l'action, les frises. Surtout qu'il n'y a pas d'action contre ces marches osseuses. À l'écran. Tu t'en es bien sorti. Ça fait bizarre de voir les morts de ce côté. Ils sont à la fois curieusement familiers, mais tellement plus affreux. On a encore un problème, là. On est d'accord que c'est pas là, hein. Là, je peux pas sauter, hein. Là, c'est trop loin, là. Ah. Ok. On va longer. Alors, est-ce qu'il faut qu'on grimpe ou qu'on continue? Parce que, ici, on peut grimper ou pas, là? Non, en fait, non. On ne grimpe pas. Ah, ça devient compliqué d'avoir des jeux PC optimisés qui ne frisent pas toutes les 5 minutes. Ça devient compliqué. Alors, évidemment, avec les graphismes au max, ça doit être particulièrement beau. Hein. Oh, voilà du monde. Des fortifications, des têtes d'enterrement, pas un bon signe. Alors repose-toi, fais le plein de provisions. Et on reprendra ensuite la route de New Eden. Ouais. Eux aussi, ils ont une petite taverne, là. J'irais bien m'envoyer une chopine, là. Alors, trouver la chasseuse. Ah bah oui. On est où, là? C'est pas un endroit où on peut rentrer. Bannisseur, vous vous en êtes sorti. On me parle de là-haut. Je ne vois pas la personne qui me parle, mais apparemment, on me parle. Donc, on va y aller. Et puis après, on verra s'il y a d'autres choses à faire. Venez, j'ai à vous parler. Eh bien, j'arrive. Ah, elle est là. Vous avez fini par nous trouver, Dread McCrace. Ouais, pas grâce à vous. Je voulais m'assurer que vous sauriez vous débrouiller tout seul. Vous pouvez rester jusqu'à ce qu'on vous dise de dégager. Au fait, moi, c'est Kate Newsmith. Sympa. Retenez bien que c'est moi qui commande par ici. Ça s'entend pas du tout. Alors, vous êtes de la famille de Peau Dure, donc c'est pas Peau d'âne. Ah, Newsmith. Un lien avec Peau Dure ? Oui, c'est ma sœur. On l'avait rencontré en ville avec Antea. Peau Dure ne devrait plus tarder à revenir de la chasse. Et au fait, mes condoléances. Pourquoi me dirait-on de dégager ? Celui qui ne participe pas à la vie du campement dégage. Hors de question qu'on ait faim pour un parasite. C'est toujours mieux que de te tuer et de te bouffer.
Oui, on va se rendre utile. D'accord. Je vais rester un moment. Je peux peut-être me rendre utile. Notre morale est au plus bas. Des cauchemars hantent nos rêves. Faites ce qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Dans ce cas, donnez-moi des noms. Prudence Ake. Une veuve, comme tant d'autres. C'est notre cuistot. Mais depuis quelque temps, sa bouffe est infecte. Faudrait aller voir ce qui se passe. D'accord, donc ça, un autre cas de hantise à traiter. Comment ça se passe à New Eden? J'y retourne, justement. Vous êtes fou. Vous ne pourrez pas retourner là-bas. Il n'y a plus rien. Nous sommes peut-être les derniers survivants. Désormais, New Eden n'est plus que mort, désolation et pestilence. Génial. Des types de notre groupe ont voulu y retourner. On les a entendus crier dans les bois. Ils ne sont jamais revenus. On parle d'une bête meurtrière qui massacre tous ceux qui osent s'aventurer en dehors du campement. Il y avait un deuxième groupe. Ils sont jamais arrivés. Certains pensent que la bête les a tués. Comme je l'ai dit, on est peut-être les derniers survivants. Culpabilité. Peur. Il veut sauver les apparences, mais son regard ne trompe pas. Je vais faire le tour du campement. J'irai voir cette Prudence Ake et tenter de voir ce qui se passe. Si vous ne trouvez pas Prudence, demandez à Jane. Elles sont proches. Et allez aussi voir notre forgeron à l'occasion. Il n'a jamais été très doué, mais ces derniers temps, c'est encore pire. Parlez à Jane, parlez à Prudence, parlez au forgeron, parlez à tous ceux qui ont besoin d'aide, soit à peu près tout le monde. Bien, c'est noté. Il reste une cabane inoccupée. Un arbre est tombé dessus. Mais vous pouvez profiter de ce qu'il en reste. Bienvenue au Bois Sombre. D'accord, donc bah, ça va nous faire du boulot. Hein. Alors, les marcheuses, oui, il y en a pas mal autour, là. Et quand vous étiez dans les bois, vous avez vu beaucoup de marcheurs osseux? Pardon? Des marches, quoi? Des marcheurs osseux, des cadavres possédés, des morts qui marchent. Vous le sauriez si vous en aviez vu. Dieu merci, jamais. Et vous? Bien sûr que non. Je pose la question comme ça, par curiosité. Les marches osseux semblent attirés par nous, mais pas par eux. Est-ce que c'est toi? Ou moi? Ou nous deux? À propos du cauchemar... Dites-moi, qu'est-ce que vous savez au sujet du cauchemar? Je fais de mauvais rêves, oui. Vraiment affreux. On en fait tous. Un cauchemar, c'est ce que nous, les bannisseurs, appelons la créature dans l'église. C'est une espèce de fantôme. Du genre mauvais. Parce qu'ils ne le sont pas tous. La ville était condamnée. Ma sœur le savait. Après votre mésaventure, il était temps pour nous de partir. Vos mauvais rêves. Vous pouvez m'en dire plus? C'est peut-être à cause de la faim ou de la peur. Mais on fait tous le même rêve. Une bête. Un loup, mais pas un loup. Plus grand, plus étrange. Il hurle et chasse dans l'ombre. C'est vraiment étrange, en effet. Enfin bon, ce n'est qu'un rêve. Vraiment? Hormis peau dure, ceux qui partent d'ici ne reviennent pas. Il paraît que c'est à cause de la bête. Alors on ne s'éloigne plus. La bête du Gévaudan. Parlez-moi de cette bête. On l'a entendu hurler, mais personne ne l'a jamais vue. On a aussi entendu des cris, et ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. On espère qu'ils ont rejoint Boston, comme on devra le faire si on ne veut pas mourir de faim. Mais nos rêves sont là pour briser nos espoirs. Il n'y a vraiment aucune issue. On peut vivre ici au bord de la famine en tentant de garder le moral tant bien que mal. Ou on peut mourir dans les bois, dévoré par une bête sauvage. On a choisi de vivre. J'ai des questions sur le campement. Je vous écoute. Où est votre sœur? Elle est partie patrouiller. Chasser, si elle trouve du gibier. Une news miss reste... Une news miss part. Elle est partie seule? En matière de chasse, personne ne lui arrive à la cheville. Elle dit qu'on ne ferait que la ralentir. Vous êtes là depuis longtemps? Ah, bonne question. Aucun d'entre nous ne le sait vraiment. Pour les uns, le temps file,
Pour les autres, ils stagnent. Sans lui, c'est difficile de compter les jours. Et que dirait Podure ? Elle dirait environ un mois. Mais elle mentirait. On a compté les jours, toutes les deux. Mais on n'est pas arrivé au même résultat. Le cauchemar altère la perception du temps. Ces gens n'ont pas échappé à la malédiction. Qui pourra avoir besoin d'aide par ici ? Quelque chose ne tourne pas rond à la forge. Vous devriez commencer par là. Ok. Eh ben voilà. Je vais vous laisser tranquille. Reposez-vous. Vous en aurez besoin pour le retour de ma sœur. Je viendrai vous chercher le moment venu. Ok, donc on a une baraque avec un arbre qui est tombé dessus, ça fait plaisir. Et il faut qu'on ait trois... Je qu'elle m'aime bien. Allons chercher ta cabane, qu'on voit si elle t'aime tant que ça. On doit avoir trois péquenots, dont un cuistot et un forgeron. D'accord, ok, ça marche. Alors, ça doit se repérer, un truc avec un arbre en travers, là. Qu'est-ce que c'est, là ? Ok. De la poussière. Merveilleux. Du cuir. Je commence à fouiller chez tout le monde. Alors tu veux une carte ? Tu comptes prendre la mer ou savoir dans quelle direction se trouve Boston ? C'est qui lui ? Red McCrace, monsieur. Votre bannisseur, pour vous servir. J'avais rencontré votre ami à New Eden. Depuis, les choses ne se sont pas améliorées, malheureusement. N'est-ce pas ? Ah, c'est le vendeur itinérant. En tout temps et en tout lieu, un homme a besoin d'aide. Arrête de bloquer les PNJ, s'il te plaît. Jeter un œil à mon vaste assortiment d'articles pratiques et abordables. Avec l'autre qui est derrière, regardez ça comme c'est réussi là, avec l'autre qui est bloqué par le personnage devant. Waouh. Ah bah on va rigoler un moment. J'avoue que je ne m'attendais pas à trouver un magasin dans Paris. Où que les gens aillent, le commerce suit. Meilleur placement de caméra ever. Mais tant qu'il y aura de l'argent à faire, oh là là, tout n'est pas perdu. Vous avez transporté toutes ces marchandises avec vous, sur votre dos ? Pas avec mon cœur fragile, non. Et j'ai quitté New Eden avec un cheval et un chariot. Après avoir mangé le cheval, j'ai employé mes compagnons comme porteurs. Vous pouvez clipper ça. Vous avez payé des gens pour les transporter ? Toute ma fortune se trouve dans ces marchandises, et mon cœur et mon dos n'ont pas la force de les porter. Cheshounet va se marrer avec ça. J'espère que le cheval avait bon goût. Regardez autour de vous. Les gens d'ici ont traversé l'enfer pour... ça. Ouais, pour ça, oui. Mes provisions servent à rendre leur vie un peu moins difficile. Et à des prix abordables. Et d'un point de vue personnel, je trouve que même les temps les plus difficiles passent mieux avec une bourse pleine. Oh, on se marre bien. Quelle nouvelle par ici ? Racontez-moi. Bon, d'accord, je m'ennuie. Alors, sur le dos de qui allons-nous casser du sucre ? Ah ! Intéressant. Donne-nous des news croustillantes sur nos cas. J'aimerais entendre votre avis sur Podure Newsmith. Elle est coriace, mais elle a l'esprit affûté. Pragmatique, stoïque. Elle aurait pu être une bonne marchande. Si elle avait su user de ses charmes. De temps en temps, quand je fais ça, ça ouvre la carte. Je sais pas pourquoi. J'aimerais votre avis sur Kate Newsmith. La sœur cadette ? Je garde mes distances. Pourquoi ? Nous portons tous des masques. Mais je suis doué pour voir à travers. Et derrière le masque de Kate Newsmith se cache une bombe. Et elle est prête à exploser, tôt ou tard. Bien sûr. Comment vont les choses par ici ? Regardez donc autour de vous.
C'est ce que je fais. Mais j'apprécierais beaucoup avoir votre point de vue. J'ai froid, j'ai faim. Ça fait des semaines que je n'ai pas dormi plus de 4 heures d'affilée. Ce camp est un trou à rats, et c'est pire à l'extérieur. Voilà mon point de vue sur la situation. Et voilà un beau script, hein. Voilà, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter, là, cette fois-ci ? Vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. On a un peu de pognon, mais on a ramassé plein de trucs, alors... Oh là là, et puis il reste là. J'en ai 149, donc voilà. Posséder zéro. Fourrure. Un morceau de fourrure d'animal. D'accord. Bah écoutez, on va peut-être en acheter alors. On a 260. Ouais, on va acheter une fourrure. Ça, on en a un peu. Ça, on n'en a pas. De la laine. Alors, on va un peu acheter de la laine. Ça, zéro. Cache mystérieuse. Cette énigme écrite par un inconnu indique l'emplacement d'un trésor. Oui, 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 oui. Et ça... Ah oui, tout. C'est mieux tout. La laine et la fourrure, ça va être pour crafter de nouveaux vêtements. Mais pour l'instant, on ne nous a toujours pas appris comment faire. Donc, je vais garder mon pognon. Ah putain, ça recommence. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, on te libère. T'es qui, toi ? Qui es-tu, toi ? Credence Cudder, monsieur. À votre service, monsieur. Ah, t'es collant, hein. Et qui êtes-vous ? Monseigneur. Je suis le bannisseur Red McCrace. Et bien que j'apprécie ta politesse, tu peux m'appeler Red. Un bannisseur ? Vous êtes ici pour nous sauver de la bête ? Je ferai de mon mieux, petit. Bien. C'est bien. Même si, soyons honnêtes, vous allez certainement y rester. J'aime sa franchise. C'est bien qu'on ait fait sa connaissance à celui-là. Il nous a pas du tout pompé l'air. Alors... Pourquoi ne pas avoir fui ? Bonne question. Beaucoup d'habitants ont fui New Eden à cause de la malédiction. Pourquoi es-tu resté ? Moi ? Je sais pas. Parce que mon cousin Beloved m'a dit de rester, j'imagine. Je fais toujours ce que me dit Beloved. Je me porte mieux comme ça. Il est gentil. Et il a de la chance que quelqu'un veille sur lui. On a une référence littéraire, là. Alors, tu es un homme de principe. Tu es courageux. Tu es courageux ? C'était pas évident de rester ici. Oh, je n'irai pas jusqu'à parler de courage. Ces monstres-là, ils me fichent sacrément les jetons, quand même. Quand les choses tournent mal, c'est bien de pouvoir se tourner vers ceux qu'on connaît. Vous n'êtes pas d'accord ? Comment ça va par ici, Credence ? On a peur. On a froid. On a faim. On a quitté New Eden pour survivre. Mais la mort ne cesse de nous guetter depuis. Que peux-tu me dire sur Podurnus Smith ? Oh, elle est très courageuse, monsieur. C'est une bonne chef. Même si elle me fait un peu peur. Que penses-tu de Kate ? Je sais pas. Elle est pas très sympa. Beloved la connaît mieux que moi. Bon, tout le monde préfère l'autre sœur, hein. C'est bien. Les habitants tiennent le coup. On est parti sans savoir comment on allait survivre. Maintenant, on meurt de faim, on est perdu et coincé dans les bois. On a peur, monsieur. On a tous très peur. De la bête. Ok. Eh ben, ils en ont tous des trucs à dire. Hein. Oula. Bonne journée à toi, Scudder. Que Dieu vous garde, monsieur. Credence, Clearwater, Revival, bien sûr. Alors... Bon, on n'a toujours trouvé aucune des personnes qu'on cherchait. Hein. On n'a même pas trouvé notre baraque, c'est qui, lui ? Bonjour à vous, Squire Paris.
Merci, mais non, monsieur. Ce jour n'a rien de bon. Ah bah, on vient de se voir. Je vous souhaite une bonne journée. Bon. Alors, lui, il est assis là. D'accord. Ok, très bien. Donc ça, c'est sa baraque. En face, on ne sait pas. Et là, je crois qu'on sort du... Ah non, pas du tout. Il y a d'autres baraques encore. Ok. Voilà, on pique des choses chez les gens. On s'emmerde pas. Vous êtes nouveau ? Bonjour à vous. Red McRae, madame. À votre service. Vous êtes bien loin de l'Écosse ? Vous êtes perdu ? Pas plus que vous autres. Kate Newsmith m'a demandé de faire le tour du camp. Un bannisseur peut toujours être utile. Ah, vous êtes bannisseur. Je m'occupe des vivants, au nom du Seigneur. Je lui laisse les morts. Vous devriez faire de même. Vous ne croyez pas aux fantômes ? Je crois au paradis et à l'enfer. Je crois au dessein de Dieu pour la terre. Ma foi me pousse à aider les autres. Même les charlatans. Aussi charmant soit-il. Je n'ai pas saisi votre nom, docteur. N'allez pas m'appeler docteur devant le gouverneur. Appelez-moi madame. Madame Evelyn Fitcher. Un toubib. Dites-moi, madame Fitcher, comment êtes-vous devenue médecin ? Je ne suis pas médecin, cessez de m'appeler ainsi. Mon père l'était. Je me suis intéressée à son travail. Il m'y a encouragée. Il disait que Dieu faisait son œuvre à travers toutes les mains volontaires. Qui plus est, il avait besoin d'aide. Il souffrait d'arthrite. Les patients de mon père ne mouraient pas, ce qui était assez inhabituel. Les gens lui faisaient confiance, et à moi aussi, comme j'étais sage-femme. À sa mort, ses patients sont devenus les miens. Et vous ? Dans les pas de qui avez-vous marché pour devenir bannisseur ? Ceux d'un ami très cher. Je lui en serai toujours reconnaissant. Car c'est ainsi que j'ai rencontré l'amour de ma vie. J'ai tellement envie de me montrer là, maintenant. Tellement. Parlons d'autre chose. Du monde qui nous entoure, par exemple. Le monde qui nous entoure est tenu par les sœurs Newsmith. Moi, je me contente de m'occuper de mes patients. Ok. Bon, au moins, c'est clair et net. Pas de soucis là-bas aussi. Le Seigneur vous guidera, bannisseur. Si vous le laissez faire. Bon, on a trouvé plein de monde, sauf les gens qu'on cherchait. C'est intéressant. Une baraque bien pourrie. Ah bah, c'est celle. On est déjà venu là. Oh là là. Ah. Qui est là ? Personne. Bon, on va continuer à prendre des trucs. Pas très logique, ça, mais bon. Ok, là, par contre, c'est tout. Une baraque ou pas, là ? Non, là, on sort du village. Bon... Qui c'est, ça ? Bonjour, monsieur McRae. Ah, mais c'est notre Credence ! Monseigneur. Rebonjour, Credence. Bon, bah, ok. Bonne journée à toi, Scudder. Que Dieu vous garde, monsieur. Ah, c'est Credence ou Scudder ? Faudrait savoir. Ok. De la décoration chez Credence. Okay. Donc lui, oh. Ok, très bien. Lui, il est à l'entrée du village. Super. Bon, donc il n'y a pas besoin d'y retourner. Est-ce qu'on a
pour le coup, une carte qui servira à quelque chose. On a un point de... Ah ben oui, on a un petit point... On a un petit point qui traîne. Alors, on va se le mettre quelque part, si j'ose dire. Oh, bon, alors, oui, alors, voilà. La quatrième attaque déclenche une attaque au point qui ignore la résistance ennemie. Oui, c'est pas mal, je croyais qu'on l'avait déjà. Les parades restaurent 15 points d'esprit. Augmentent de 20% les dégâts des attaques lourdes chargées. C'est vrai que je l'utilise beaucoup, ça, hein, j'aime bien. Faut avoir le temps. Parce que les ennemis sont rapidement sur nous, mais ça, je l'aime bien. Allez, ah bah voilà, donc... Parade, ça, je l'aurais pas, vous voyez, ça, je viens de me le fermer, là. Et là, maintenant, j'ai le choix entre ces deux-là. Bien. Voilà, bon, on est plus fort. Je cherchais la carte... Bon, notre abri, il est là. On est où, nous? Je vois même pas où on est sur la carte. Ah, on est là. Ben voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? Ok. Donc, on va aller tout droit. On va tourner. On peut pas afficher une mini-carte à l'écran. Ça, c'est vachement pratique. Hein. Ah oui, non, mais là, c'est les armes, ça. Ah, il y a un retournement rapide. Je viens de le trouver, là. Ah oui. Il y a bien... Oui. Mais il n'y a pas de carte à l'écran. Ça, c'est con. Il y a juste le bon sens d'indicateur, là. Bon. Oh, une lueur bizarre, là. Ouais. Non. Il n'y a pas de raison de descendre maintenant. Tiens. Ah bah voilà. Eh ben c'est notre baraque. L'arbre il est tombé, c'est là. Ok, bah voilà. On a trouvé notre hôtel à Révy. J'ai connu pire pour dormir. Et puis, ça pue toujours moins que l'abri de Jacob Lind. L'odeur. C'était bien le cadet des soucis de Jacob Lind. Allez, on se fait... on va ramasser les choses, déjà. C'est quoi, ça? C'est un bouquin? Non. De quoi un fantôme est-il fait? Oui, génial. Là, il y a un truc. La traduction officielle de la Bible chrétienne pour l'Église d'Angleterre, qui tient également lieu de Bible officielle pour les puritains. Eh ben oui. Merci Henri. Henri Tudor, qui dormait pas beaucoup. Il avait d'autres activités au plus bas. Bon, allez. Puis on fera une sauvegarde. Pour l'instant, ça a été, mis à part le site rituel où je me suis fait défoncer. On y retournera plus tard. Et voilà, on ne risque plus de mourir de froid. Enfin, moi, du moins. Allez, on se repose. Ça va nous faire des bonnes potions. Évolution, c'est fait. Inventaire, tiens.
4 améliorations disponibles. Ah bon ? Mais c'est-à-dire... Je comprends jamais tellement ce qu'on a à faire ici, en fait. Mis à part rien. Amélioration disponible. Mais c'est-à-dire... Parce que quand je fais X, sur amélioration, il ne se passe rien. Donc, est-ce qu'il faut les améliorer à un établi ? Ah, il va peut-être falloir demander au forgeron, justement. D'accord, bon, j'avais pas pensé à ça. Allez, repos. Ensuite, une petite sauvegarde. Et on va chercher les gens à aider. Pas mal comme titre d'Ontnod. Ils peuvent être contents de celui-là. Il fonctionne bien pour le coup. L'histoire est bonne. Le gameplay est plutôt correct. Non, vraiment, c'est agréable. Allez, une petite sauvegarde. Comment ça, on peut pas ? Et maintenant, on peut toujours pas. Donc on peut pas sauvegarder la partie. Allons-nous rendre utile. Oui. Si le cauchemar est à l'œuvre par ici, ils auront besoin de nous. Bon, on va essayer d'être méthodique. C'est bon, on peut sauvegarder. Sauvegarde manuelle. On va effacer celle-là. Oui. Alors. Bon, on va essayer de passer méthodiquement dans chaque baraque. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un point d'intérêt. Bon, qui c'est qui habite là? Oula. C'est un peu condamné. Bon, mais en voilà ici. Donc on va repasser devant chez Credence. Bon, en fait, c'est indiqué. Hein. Ah, ça, c'est une fille. Je ne vous connais pas. Red McRae, j'ai été invité par Kate Newsmith. Enchanté. Ah, celui qui jouait aux acrobates dans les arbres. Les nouvelles vont vite. Merci. À qui ai-je l'honneur ? Vous pouvez m'appeler Jane. C'est la copie de Kate, voilà. Vous êtes amie avec Kate Newsmith ? Si je l'étais, pourquoi je vous le dirais ? Oh là là, vous n'êtes pas du genre à bavarder. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du genre à bavarder. Non, en effet. Vous êtes la première autochtone que je rencontre. Ah bon, c'est une indienne. Mais je n'avais pas remarqué, oui. Vous êtes la première véritable autochtone que je rencontre. Où sont les autres ? Il n'y a pas de tribu locale ici. Oh. Pourquoi donc ? Les Wabanaki sont partis il y a plusieurs générations. Ils pensaient que cette terre était maudite et portait malheur à ceux qui la foulaient. Ah, alors vous n'êtes pas du coin non plus ? Non. Et pourtant, je suis la moins étrangère de vous tous ici. Est-ce que Madame Hake va mieux ? Et la nourriture ? Il y a du steak au dîner. Je plaisante. C'est de la soupe. Et je suis sûre que Prudence et sa cuisine ne vous intéressent pas. Vous l'avez vue récemment ? Je la cherche. Non. Pas récemment. J'étais occupée, comme nous tous. Où puis-je la trouver ? Elle a une cabane. À l'autre bout du camp. Des herbes y pendent aux fenêtres. Elle aime que sa nourriture ait bon goût,
Quand elle se promène dans les bois, elle cherche de quoi relever les plats. Elle voulait chercher du sel à la mer, mais Podur ne l'y a pas autorisé. Comment va-t-elle? Elle a pu reprendre ses esprits? Elle avait mal aux dents. Je lui ai donné des noix de gale pour la douleur. C'est la perte de son mari. Prudence a perdu son mari il y a de nombreuses lunes. Son chagrin est guéri, mais elle a encore mal aux dents. Ok. Intéressant. Bien, je vous laisse. Bonne journée. Bon, alors, elle est à l'autre bout du village. Ok. Intéressant. Bon, et le forgeron, alors, parce que... Oui, Prudence, oui, d'accord. Prudence, mais moi, je suis intéressé par trouver le forgeron. En priorité. Ça devrait se repérer, pourtant... Donc quelqu'un qui tape sur un truc là. Bon, je vais aller voir. La forge. Ah bah voilà. Kate disait que le forgeron avait peut-être besoin d'aide. Très bien. Ces clous m'ont l'air bien fragiles. Nos maisons s'effondrent et on a besoin de clous. Il nous les faut au plus vite, et pas des clous de merde comme la dernière fois. Tu es censé faire du bon travail. Signé Podur. Oh, le gars, il a la pression, là. Alors. Des voix du passé. Qu'est-ce que c'est? De l'eau salée. Je sens des pulsations. Il y a quelque chose dans le coin. D'accord. Tout à moi. Tout à moi. Tout à moi. Ah bah, faut pas se gêner. Ce fantôme a l'air mauvais. Ce fantôme a l'air obnubilé. Oh. Très obnubilé. Cette pointe est aussi plate qu'un marteau. Travailler le métal, c'est déjà pas facile. Mais avec un matériel comme ça... Pas facile de tenir un camp avec un mauvais forgeron. Une forge sans outils. Bizarre. Ok. Ah, les traces de pas. Il y a des traces, là. Je peux te les montrer. Finissons d'abord ici. Et comment ça, finissons d'abord ici. Mon cher ami forgeron, la roue de ma charrette n'est toujours pas réparée, chose que vous deviez faire. Y a-t-il un problème? Au travail, le plus tôt sera le mieux. Il y a encore quelque chose à regarder ici, là. Alors, c'est fermé. Là, on a déjà regardé. Là, on a regardé. C'est lui qui tape sur des trucs, là? Merde. Eh ben, on n'en voit pas tous les jours des comme vous. Qui êtes-vous? Red MacRae, madame. Le bannisseur. À qui ai-je l'honneur? Ah, l'Écossais. J'aime bien votre tartan. Et vos manières aussi. Nelly Eaton. Une londonienne amicale. Elle me plaît déjà. C'est la femme du forgeron. J'irai droit au but, madame. Kate Newsmith s'inquiète pour vous et votre mari. Il est avec vous? Fortune est partie il y a quelques heures et n'est pas rentrée. Je commence à me faire du souci. Et si la bête l'avait tué? Vous a-t-il dit où il allait? Podur lui a demandé de fabriquer des clous pour la palissade. Elle ne le ménage pas, et ça lui pèse beaucoup. Il aurait pu partir à la recherche de matériaux. J'en doute fort.
Il est exténué. Il ne dort plus. Il travaille jour et nuit. Ça n'a pas toujours été le cas. Notre venue à New Eden nous a sauvés. Ça a sauvé notre mariage. Je vais partir à sa recherche. Il n'est pas bûcheron. Il ne doit pas être bien loin. Je vous en prie, retrouvez-le. Je n'ai pas fait tout le chemin pour le perdre ici. Puis-je jeter un coup d'œil chez vous ? Oui, si ça peut vous aider. La forge est vide. Il n'y a aucun outil. Savez-vous pourquoi ? Pas d'outils ? C'est étrange. Pourquoi votre mari serait-il parti avec des outils ? Avec tous les outils, même. Oh, j'en sais rien. Elle est louche, elle. Dites-moi, j'ai trouvé une flaque d'eau salée dans votre forge. Savez-vous ce qu'elle fait là ? Il nous faut beaucoup d'eau pour la forge, mais ça n'explique pas pourquoi elle est salée. De l'eau de mer, peut-être. Il aurait très bien pu rapporter de l'eau depuis la plage. Alors, quelles sont les nouvelles ? Les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. Que voulez-vous savoir ? Comment ça va, par ici ? On fait de notre mieux pour s'en sortir. La bête nous inquiète, c'est vrai. Mais peau dure sait quoi faire. Je suis sûre que tout ira bien. Que pensez-vous de peau dure Newsmith ? Elle n'est pas parfaite, c'est sûr, mais elle est indépendante, juste, robuste et dotée d'un fort caractère. Elle nous aime. Je le sens au fond de mon cœur, même si elle ne le montre pas. Pourquoi nous protégerait-elle de la bête autrement ? Oh, ça y est, encore la carte. Que pouvez-vous me dire sur Kate Newsmith ? Je l'aime beaucoup. Elle est différente de sa sœur. Sensible, attentive. Quand elle parle, je l'écoute. D'accord. Alors elle aussi, elle vend des trucs. Parlons affaires, Madame Eaton. D'accord, très bien. Je vais aller... Oula, bah oui, oh là, bah... Elle est spécialisée dans tout un tas de trucs, là. Alors, ça j'en ai pas. De la mousse craquante. Ok. Ça j'en ai pas. Le polypore moussu. Le polypore soufré. Bah alors, elle est dans le polypore, elle. L'hélébore vert. Très bien. Elle est dans le champignon aussi. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Thé de bannisseur. Inflige une attaque lourde, chargée à un ennemi, restaure 5% des points de vie. Ah, ça c'est bien ça. Ça coûte 400 balles ? Ah, punaise ! Ah ouais. 800 pour quoi ? Une grosse résistance physique tenue de maraudeur. D'accord. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Une broche. Une broche à 300. Faire des marais. Et là, j'en ai zéro. J'ai quelque chose à vendre, moi, qui me serait pas utile, ou dont j'en ai tellement que... Le cuir 156, ouais, mais le prix, c'est seulement 2. Les champignons sabots. C'est dommage, parce que... Elle a 3 objets intéressants, que j'aurais bien pris, mais... Je n'ai pas l'argent, et... Ça m'embête de vendre les ressources, j'en pourrais en avoir besoin après. Il faudrait que je me fasse de l'argent, un peu, hein. Merci beaucoup, Madame Eaton. De rien. Ça m'a fait plaisir. C'est toujours agréable de voir de nouvelles têtes par ici. Bon, j'aimerais bien chercher son mari, là, maintenant. Suivre, ouais.
Alors... Donc... Les indices, je les ai pas pour l'instant. Ouais. D'accord. Donc fortune. Ah oui. Donc les trappeurs, c'est fait. La cuisinière, on la cherche. Et il y a d'autres cas. D'accord, à trouver. Je devais fouiller chez elle. Je crois qu'elle m'a permis de fouiller chez elle, mais par contre... Ah, c'est peut-être que la porte intermédiaire a été ouverte en réalité. Qu'est-ce que... Il se passe quoi, là? C'est quoi ce bordel? Truc qui cloche avec le lit. Une partie de l'histoire attend d'être révélée. Très bien. J'ai l'impression que le mari est déjà mort et que c'est elle qui continue à travailler à sa place. D'accord. Donc il est venu de Londres, où c'était un forgeron renommé, très doué. Bon. Eh bien, à mon avis, c'est pour ça que le travail n'est pas terrible, c'est que c'est pas lui qui le fait. Allez, il est temps de le faire apparaître et d'en avoir la confirmation. D'accord, ben j'espère qu'elle parle de son mari quand elle l'a rencontré. Allez, un petit rituel. On va révéler un écho peut-être ou on fait apparaître quelqu'un. Non, on va s'occuper d'un écho pour l'instant. On va y aller petit à petit. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Par-delà le temps et l'espace. Non. 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 Pas à toi. Non. Le fantôme... Ce n'est pas un fantôme qui menace Nelly. C'est son mari. C'est comme si... Comme s'il avait l'air de se retenir de la frapper. En résumé, le forgeron est parti avec ses outils. Et un fantôme d'eau salée hante la forge. Allons le chercher. Bon. Moi, je veux bien, hein. Et alors, il est où, ce con? Ah bah, c'était ça, oui. Un instant. Bon bah, nous allons suivre... Ça.
Après toutes ces années à chasser les fantômes, imagine le temps qu'on aurait gagné. Allez, allons chercher notre forgeron. Ok. Ça, c'est une quête à l'horizon. D'accord, j'ai perdu Sarah. J'ai perdu sa trace ici. En même temps, il n'y a pas trop le choix. Ah. Ok, on a retrouvé. Est-ce que moi je les vois aussi? Non. Ok. Bizarre cette histoire de forgeron. Ça redrop. Oh là 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 là. On se croirait revenu au bon vieux temps d'Outriders. Heureusement, ça dure pas trop. T'en penses quoi du forgeron et de sa femme? C'est le fantôme de Fortune Eaton qui hante la forge, j'en suis sûr. J'espère pour Nelly que ce n'est pas le cas. C'était mon hypothèse de départ. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Après, on va voir. Ça serait bien de résoudre cette affaire-là. Peut-être avant d'arrêter. Parce que ça fera quand même 2 heures qu'on a commencé après. Bon, désolé pour le combat et le framerate. Je comprends pas. Honnêtement. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ce stuttering de merde. Éternellement. Tiens, il y a quelque chose d'étrange ici. Allons voir ce que c'est. C'est peut-être pas en rapport. Ouais. Elle ne dit rien. Et pour l'instant, on ne peut rien faire. Donc, on verra ça plus tard. Avec moi.
Non. Je vais, oui. Sainte-Marie, priez pour moi. Saint-Joseph, priez pour moi. Assistez-moi dans ma dernière agonie. Mon Dieu. Oh, Seigneur. Suffit. Il y en a encore un, là. Il y a quelqu'un. Allez, je vous en supplie. Aidez-moi. Sainte-Marie, Saint-Joseph, priez pour moi. Jésus-Marie, Joseph. Tiens, prends ça. Sortez, vous ne craignez plus rien. Ils sont partis. C'est pas le forgeron, ça, pourtant. Je vous remercie. Si, c'est lui. Okay. Qui que vous soyez, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Je pensais que j'allais y rester. Fortuniton, monsieur. Et je suis bien content de vous voir. Red McRae's, bannisseur. Vous étiez pas deux? Nous l'étions, oui. Justement, je vous cherchais. Ah bon? Et pourquoi? Que faites-vous ici, exactement? Vous n'avez pas peur de la bête qui rôde? J'avais besoin de marcher, d'air frais, de lumière. La forge est sombre et étouffante, vous voyez? Je ne voulais inquiéter personne. Une balade en forêt, chargée comme une mule avec des outils, bien sûr. Pourquoi prendre vos outils? Mes outils? Pourquoi je les ai apportés? Ah, eh bien, parce que... parce qu'ils sont hantés. C'est tout. Excusez-moi. Je dois perdre la tête et justement, je... justement, c'est à cause de ces maudits outils. Je me mets au travail. Et quand je lève la tête, j'ai perdu la moitié de la journée et je me retrouve ailleurs. Et ce n'est pas le pire. Quand je rentre à la forge, tout mon travail est déjà fait. Les outils sont hantés. Et je vais m'en débarrasser au fin fond de la forêt. Les outils hantés vous ont dit de tuer votre femme? Non. Oui. Peut-être. Non. Je ne lui ferai jamais aucun mal. Oui, ils m'ont dit de lui en faire. Peut-être. Peut-être que je l'aurais fait. Vous pouvez nous aider? Oui. Mais je ne garantis pas que le résultat vous plaira. Je vous ai entendu prier. J'ai cru reconnaître le texte. Ah oui? Vous êtes sûr? Nelly a dit que c'était un fervent puritain. Ouais, ça m'a semblé plutôt catholique. Je... Eh bien, c'est peut-être une coïncidence. La vérité, c'est que je suis un converti. Je l'ai fait pour Nelly. J'étais catholique. Plus par commodité que par conviction. Mais par pitié, ne le répétez pas. Je tiens à m'intégrer. Ce ne sont pas mes affaires. Je ne dirai rien. Merci. Vous me sauvez une deuxième fois. Bon alors, c'est un forgeron fantôme ou c'est des outils possédés? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, rentrer au camp... Je sais pas si c'est une bonne idée. Alors c'est vous, le forgeron. Comment ça se passe? On va dire que ça va. Vous êtes occupé? Oui, évidemment. Il y a beaucoup de constructions, ce qui veut dire qu'il faut des clous. Beaucoup de clous. Des tonnes de ces satanés clous. J'aime toujours voir un homme fier de son travail. Ça se passe bien avec Nelly? Oui, oui, ça va. C'est bon d'avoir une femme, un foyer. Nelly est une femme bien. Intelligente, courageuse, généreuse, gentille. Une vraie bénédiction. Comment vous êtes-vous connu? Comment c'est connu? Comment ça? On s'est juste rencontrés, c'est tout. Il ne s'en souvient pas? Ou il ne veut pas le dire. Allez, monsieur Eaton, ne soyez pas timide. Un peu d'amour n'a jamais fait de mal à un homme. De l'amour?
C'est-à-dire, je... Je l'ai aidée pour quelque chose, elle m'a aidé en retour. On est restés ensemble. On s'entraide, quoi. S'entraider, ça suffit parfois à former un couple. La romance, ça n'est pas indispensable. C'est un petit peu louche, leur relation. Rentrez au camp. Je vais m'occuper des outils. Quand j'aurai terminé, je vous rejoindrai. D'accord, monsieur. Aucun problème. Merci, bannisseur. Je... Merci. Bah, là, il y aura personne... Il y aura personne à blâmer, hein. On va aller s'occuper des outils. Je sens un écho qui retentit. Comme un bourdonnement. Ok. Je vais prendre quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ok, super. Tiens, quelque chose là, un peu étrange. Bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. À moi! À moi! Tout à moi. Le fantôme revendique la forge et tout ce qu'elle contient. Le marteau de l'écho n'est pas dans la boîte à outils. S'il n'est pas dans le coin, il nous a menti. Il l'a gardé. Donc ça veut dire qu'il risque de s'en prendre à sa femme en rentrant là. Et qu'est-ce qu'on peut faire là? Voyons voir où nous mène la porte de derrière. D'accord, ça marche. C'est pas un truc à récupérer sur le loup là? Il me semble qu'il y a un truc à récupérer là. Ok. Voilà, ok. Ça c'est fait. Elle est très bizarre cette histoire, hein, entre le forgeron, sa femme et le fantôme là. Très étrange. Je comprends pas bien ce qui se passe entre eux. Menant au cœur de la forêt. Il y a de grandes chances qu'elle nous mène à un marteau de forgeron. Ouais, j'espère. Et tu les vois toujours les traces ou Bon, c'est pas très loin par là apparemment. Vraiment bizarre. Bon, je vais en profiter pour ramasser des trucs. J'ai besoin de la femme du forgeron parce qu'elle vend vraiment des choses sympas. Bon, on ne va pas tarder à avoir un combat. Monter là, apparemment. Fortune, le forgeron, s'est aventuré au cœur de cette forêt menaçante. Un joli petit frise. Les personnes hantées font des choses étranges. Le fantôme voulait peut-être sa mort. J'ai l'impression que je m'éloigne. Je sais pas. Si je me rapproche ou si je m'éloigne. Il y a quelqu'un qui a cuisiné là, il n'y a pas longtemps là. C'est à qui ça? Ah. Mais petit frise d'apparition d'ennemis. Oh là là, c'est pénible ça. Même pas. Où est-ce qu'on arrive?
On est chez quelqu'un encore là? Je suis un peu paumé là, je sais pas trop par où aller. Perdu la trace. Oh là là. Bon. Haute caverne, un abri intéressant. Point d'intérêt. Point d'intérêt. Bon. C'est forcément par là. Bon, bah, en fait, c'est par là. Ah, bijoux. Oh, nul. Désolé pour le framerate, mais il y a du stuttering sur les phases de combat. Ah, puis on est encore là, putain. Oh là là. Là. Coucou. Ok. Ah, se passe quelque chose là-bas. D'évidence, il se passe quelque chose. Du lierre insidieux. J'ai toujours détesté ces spectres assoiffés de sève. Et on fait quoi alors? On ne peut rien faire pour l'instant. D'accord, ok. Ok. Bon. On ne peut rien faire. Vu qu'on n'a pas d'attaque à distance, on n'a pas le fusil encore. On n'a pas tout ça, donc on ne peut rien faire. Donc, ce n'était pas là. Ok, donc là, pour l'instant, on ne peut pas y aller. Non.
J'aurais bien aimé m'occuper du forgeron et régler son problème avant d'arrêter, mais je sais pas si je vais pouvoir. Bon, je sais pas. Je comprends pas trop ce que j'ai à faire là. Ah ouais. Alors oui. Maison. Silence et un feu de camp. Exactement ce que le docteur Duarte a prescrit. Je sais pas du tout où je suis. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fous là, hein? Au trésor. Toutes les cartes ne mènent pas forcément à un trésor. Oui, mais si c'était le cas ici. Très bien. Dans ce cas, allons chercher ce trésor qui nous attend patiemment. Une carte au trésor. Ah, on va allumer un feu. Bon, on peut se reposer alors. Ok. Alors, est-ce que j'ai des choses supplémentaires au niveau des tenues? Non, c'est toujours pareil. Au niveau des armes, c'est toujours pareil. Bah, on n'a pas grand-chose. Bon. D'accord. Est-ce que j'ai des nouveaux points de compétences? Non. On va se reposer quand même pour le principe. J'étais sur une bonne quête. Et j'ai perdu le fil. Je vais essayer de le retrouver. On a exploré. C'est bien, mais... Ah. Je sais pas. Je sais pas trop ce que ça nous a apporté. Je vais retourner au village. Qu'est-ce qu'il y a là? D'accord, super. Je vais retourner au village. C'est tout. Je vois pas quoi faire d'autre pour l'instant. Ok. Ouais, bon, on prendra les trucs plus tard. Je me demande où est-ce que j'ai perdu les traces de pas. Cherchais un marteau, mais bon, je n'ai pas trouvé le marteau. Oh, tu me dis que c'est à 27 mètres. Moi, je suis pas au village là.
Je suis où là? D'accord. Ce corps, je pourrais utiliser un rituel. Ok. Sortez et montrez-vous. Ah non, j'ai encore déconné là. Je vais encore crever. Le petit merde. Ne meurs pas. Oh. Je t'en supplie. La barbe, ils sont combien là? Alors c'était encore un puits qu'il fallait pas ouvrir maintenant. Oh. On devrait être capable de les faire. Au niveau où on est, c'est pénible. Là, la résistance de l'autre, là. Je le tape 10 fois, il se passe rien. Je sais même pas si c'était en rapport avec la quête sur laquelle j'étais, là. C'est pas très très bien expliqué. Un peu dommage, mais bon. Ce n'est pas grave. Je vais essayer de me rencarder. Mais par contre, j'ai plus beaucoup de temps là, maintenant, pour jouer. Donc, j'aurais bien voulu en terminer avec ça. Salut Wick, ça va ? Ah, j'aime bien le jeu, mais le gameplay est parfois un peu déséquilibré. Bon, en plus, c'est pas l'endroit où je devais aller. Mais ça, c'est des sortes de donjons à ciel ouvert. Mais je suis under level pour l'instant. Hein. Je ne peux pas les faire. Il faut que j'achète d'autres trucs. Bon, c'est où là? J'essaie de trouver ce bon sang d'endroit depuis... Non, mais non. J'ai dit non. Ah, c'est par là. Ok. Oui. Par où on passe ? Par où on peut passer? Bon, je vais descendre là et faire le tour. On nous met des donjons
en pleine tête, là, alors que c'est pas ce qu'on est venu chercher. Ah, ben voilà. Elle était bien planquée, la baraque, hein. Ouais. Le forgeron a disparu, à ce que je vois. Bah oui, il est retourné en ville. Trouver le marteau. Chercher des traces suspectes. Mais, oui, mais... On s'est déjà fait avoir avec ça, là. Bon, les traces, elles vont par là. On est bien d'accord qu'elles vont dans ce sens-là. Bon, donc on y retourne. Bon, on recommence. Et ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. Ça n'a rien donné. Bon, on reprend la piste, les gars. On reprend la piste qu'on a... Voilà, on a exploré. On a trouvé des choses intéressantes pour plus tard. Mais pas pour ce qu'on voulait faire. Donc, comment ça se fait qu'on a perdu bêtement la piste? Mais d'accord qu'elle va là. Ah, je me demande si c'est pas là qu'on s'est gouré. Non, on est venu là. Non, on est venu là. Elle nous a dit quelque chose. On a eu le même problème de framerate. Au même endroit tout à l'heure. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est pénible, ces jeux pas optimisés sur PC, éternellement, quoi. Bon. On est bien sur le bon chemin, là. C'est quoi le problème, alors? Voilà, on a trouvé ce bon sang de con. Et c'est là que les choses ont commencé à déraper. Encore... Oh, vas-y. Pourquoi maintenant? Changement de zone, peut-être. Bon. Oh là là. Il y a quelque chose dans quoi. Oh, il y a une grosse bête là. Il y a des grosses bêtes encore là. Ouh là là. Oh putain. Pas bouger. Ok. Ça, c'est fait. Et donc... Parce que là... On avait encore perdu les traces. Bon, on ramassera des trucs plus tard. Ça va, c'est bon. J'en ai marre de ramasser des plantes.
On est bien baladé, hein, la vache. Ouais, hop. Il y a plein de ressources là, enfin. Voilà. Elles y sont. Or, il y a encore un truc qu'il va falloir aligner là. Oh la barbe. Le marteau. On dirait que Fortune a voulu s'en débarrasser. Et qu'est-ce que c'est ça? Où ça, le marteau? Le marteau est le lien du fantôme. Bon, il n'y a plus qu'à le récupérer sans briser le cou. Ce serait dommage, en effet. D'accord, donc il c'est là. Il faut qu'on trouve un endroit où traverser. Ouais, ouais. Faut aligner le bon sens de truc, là. Alors... Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah, de là-haut. Ok. Ça, c'est une mécanique de Hellblade. Hein. Purement et simplement. Putain. Ok. Bon, il y a quelque chose là-haut, mais nous, on devait descendre à la base. Ah. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce que je monte voir s'il y a quelque chose ici? Quoique, je sais pas si je peux monter, en fait, là. Non. C'est pas pour monter maintenant. Ça ressemble beaucoup à un piège. Je sens un écho. D'accord. J'active le piège alors. Allez, on descend. Oh, il y a sûrement un boss hein, en bas avec le marteau. Hein. Enfin bon, on va finir là. L'histoire du forgeron peut-être avec tout ça. Mais j'ai toujours pas compris tellement le... Le rôle que sa femme a joué dans tout ça. Enfin, ce que je sais, c'est qu'elle vend des bons trucs, sa meuf, donc... Espérons qu'il faut pas s'en débarrasser. Ok... Allez. Allez. Ah, ça commence. Ah, et que fais-tu là, toi? Ah, oh, mais zut! Allez, dégage. Où est-ce qu'il est, le ver? Le ver, il est redoutable. Un spectre se dirige vers ce cadavre. Oui. Attention, il va le posséder. Oh, mais j'ai pas que ça qu'à faire! Cette pourriture. Ah, oh, dommage. J'étais presque dessus. Oh, punaise! Je le savais. C'est bon? On les a eus? Ok. Bon, il est où ce marteau, là? Oh! Mais non, ça c'est une plante, ça. Yeah. Ça suffit, Denis.
Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que ça se reproduirait. Non. Ah, regarde-toi. Tu es pathétique. Je vais divorcer. Tu te prends pour Elizabeth Luxford? Tu m'appartiens. Et je te préfère morte que loin de moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Dégage, mon gars. Ça te concerne pas. Je crois bien que si. Oh! Il a tué son mari. Qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Tourtereaux ont tué un homme. Avec son propre marteau. On devrait parler à son fantôme. D'accord. On aura un dilemme moral avec ça. Parce que le gars était fou et était ultra violent. Ils l'ont tué. Il faudra les punir pour ça. Bah, il est où ce con? Ah bah il est là. Oh, tu nous as bien pompé l'air, hein? Nous sommes Antea Duarte et Red MacRace, Panisseur. De qui êtes-vous le fantôme? Il faut vraiment qu'on écoute cet enfoiré. Parler aux morts n'amène jamais rien de bon. Je me dis parfois que tu as raison. Qui êtes-vous et que voulez-vous au forgeron? Ma forge. Ma femme. Mon nom. Ils m'appartiennent. Ce lâche me les a volés. Notre forgeron est un imposteur, alors. Que faites-vous ici? Je veux ce qui m'appartient. Ce qui m'a été volé. Arraché des mains. Je veux mon travail. Mon nom. Ma femme. Votre femme ne vous appartient pas. Ha ! C'était une moins que rien. Une bouseuse qui se rêvait herboriste. Je l'ai sortie de la boue. Elle me doit tout. Bon, ça suffit. Je refuse de jouer le jeu de cet homme plus longtemps. Bon, lui, je vais le bannir. Oh, encore la carte, mais je veux pas la carte. Je veux le choix. Cette nuit-là, sur le pont, Nelly a demandé à divorcer. Et après? On sait ce qui s'est passé. Je veux l'entendre le dire. Que s'est-il passé sur le bateau? Cette sale petite traînée, ingrate, sournoise. Taisez-vous. Red, ça suffit. Une femme malingre, faible, chétive, qui demande de l'attention sans jamais en donner. Je lui ai donné une vie, et elle m'a volé la mienne. Elle l'a poussée à me tuer. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Vous avez poussé l'homme qui vous a remplacé au bord de la folie. Elle ne m'échappera pas. Est-ce que vous cherchez à vous venger? Je demande ce qui m'appartient. Elle a tout manigancé. Il en a profité. Mais tout me reviendra. Bon, allez. J'en ai eu plus qu'assez. On y va. Maintenant, on sait pourquoi Fortunyton est mort.
J'aurais peut-être fait pareil. Nelly et son compagnon sont encore hantés. Et je m'inquiète pour leur sécurité. Mais on peut pas le bannir, lui ? Même à moi. Tout à moi. À moi. À moi. Il faut une confrontation, c'est encore ça ? Vous. Bon, bah, faut retourner... Oh, putain. Et comment ça se fait ? Il faudrait que j'arrête de faire avec le pad, parce qu'en fait, c'est ça le problème. Au revoir. Laissez-les vivants tranquilles. Bon, ok. Donc maintenant, il faut retourner à la forge. Ok. Eh ben, c'est pas à côté, hein. La vache. Donc. J'ai trouvé tous les indices. C'est bon. Ok. Voilà, super. Qu'est-ce qu'il a fait ? On peut pas se TP direct, là ? Oh, alors. Et ça, c'est qui, ça ? Prudence, entre autres choses. Pince et marteau. On peut pas se TP ici ? Bon. Eh bien, voilà. On a peut-être un petit raccourci, là. Bon, on va aller régler ça, et je m'arrêterai ensuite là pour cette nuit. Je voulais régler l'affaire du forgeron. Donc on va être confronté au même problème, à savoir trouver de l'énergie pour notre meuf en punissant des gens qui ne méritent pas forcément d'être punis. Voyage entre deux abris. En vous y rendant, vous pouvez voyager vers un autre abri pour atteindre votre destination plus rapidement. Les abris sont reconnaissables par le drapeau rouge et la fumée. Ah, ben c'est ça ! C'est ça que ça veut dire, alors ! Ah, ben, vous pouvez nous le dire avant, hein ! Donc je vais pouvoir me TP vers notre baraque dans le village, très probablement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a le truc de voyage rapide. Ok. Voilà. Voyage rapide. Oui. Alors. Et qu'est-ce que... Voilà. Ça, c'est notre maison. Juste à côté. Oui, voyager. Putain, mais... Et c'est quoi le problème ? Là, on est là. Bien. Donc, on voyage vers un autre abri maintenant. Il est là. Putain. Il met voyager avec X. Oh, mais c'est le pad. Oh, mais c'est pour ça. C'est le pad. C'est le pad Xbox là. Oh là là. Ah, je suis con aussi, moi. Ah bah alors. À chaque fois qu'il me demande d'améliorer des affaires, j'appuie pas sur le bon bouton. Oh là 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 là. Oh là là, depuis le départ, j'ai pas amélioré mes affaires à cause de ça. Pff.
Oh là 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 là. Tout ça parce que toute la matinée, j'ai été sur le pad PlayStation et que là, je suis sur le Xbox et que bien sûr, X n'est pas au même endroit. Oh ! Ça y est, j'ai compris, Eureka, à 2h30 du mat, j'ai fini par comprendre un truc essentiel du jeu. Formidable. Bon, allez, vite, là, on va régler ça. Après, je sauvegarde, et puis, c'est tout. C'est parfois un petit peu longuet, les quêtes. C'est intéressant, voilà, c'est assez subtil. Il y a des cas éthiques, il y a des dilemmes moraux, mais c'est un peu longuet d'y arriver. Surtout qu'entre-temps, on tombe toujours un peu sur les mêmes... Sur les mêmes monstres, donc... Donc, inventaire. Amélioration disponible. Donc, X. Ah, punaise! Il y a tout un autre menu, là. Améliorer avec A. Voilà. Et ça fait un succès. Punaise. D'accord. Voilà, je suis au niveau 2. Des décoctions. Ça, c'est bien. Pareil pour l'anneau. X. On va améliorer. Très bien. Voilà, on a un anneau de niveau 2 maintenant. Bien. Pareil pour le bracelet. On a un bracelet de niveau 2. Ah bah oui, mais ça va... Ça va tout changer, quoi. Ah ouais. Et quand j'aurai assez d'argent, je pourrais m'acheter de bons objets en plus. Voilà. Bien. J'ai compris quelque chose des dedans. Merveilleux. Allez, maintenant... On va confronter tout ce petit monde. On sauvegarde et dodo. Même pas d'ailleurs. Mais voilà. 4h ce matin, 4h cet après-midi, 3h cette nuit. Bon voilà. Je pense que j'ai fait du bon stream de Saint-Valentin. Ça sera suffisant, je pense. Je crois que le fantôme de Fortune est là. Eh ben oui. Finissons-en. Tu aurais dû m'en parler. Je ne voulais pas t'inquiéter. On avait dit pas de secret. Tu as raison. Ça ne fonctionnera que si on est soudés. Exactement, soudés. Bah où ils sont les autres là. Ils sont là ? Non, mais je n'y mettrai... Chut. Quelqu'un approche. Ouais. Ah, le bannisseur. Vous revoilà. Bon, allez, on s'explique maintenant. Monsieur McRae, mon homme est rentré et il m'a dit que c'était grâce à vous. Ne vous réjouissez pas trop vite. Je connais la vérité. Votre secret n'en est plus un. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais vous n'êtes pas Fortune Eaton. C'est ridicule. Haskell a engagé Fortune Eaton, un maître forgeron puritain. Vous n'êtes rien de cela. Vous n'êtes pas lui. Qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais votre version des faits, madame. Très bien. Quoi ? Non. Comment peut-on savoir qu'il est digne de confiance ? On ne peut pas en être sûr. Mais il faut prendre le risque. Il est temps de parler. Il s'est passé quelque chose lors de votre traversée depuis l'Angleterre. Racontez-moi. J'avais enfin la paix depuis des semaines à bord. Fortune était trop malade pour me faire quoi que ce soit. Je m'étais même fait un ami. Je me disais que ce nouveau départ allait peut-être nous faire du bien après tout. Qu'il allait peut-être changer. Avant notre départ, je m'étais juré qu'il ne lèverait plus jamais la main sur moi. Mais
Évidemment. On ne voulait pas le tuer. Je vous le jure. Vous avez des regrets? Ne serait-ce qu'un seul? À quoi bon? Et si j'en avais, pourquoi est-ce que je vous le dirais? J'aurais fini par lui échapper. Mais j'en serais sûrement morte. Je ne l'ai tué que pour éviter qu'il me tue. C'est sa faute, pas la mienne. Vous n'êtes pas Fortune Eaton. Mais dans ce cas, qui êtes-vous? Je suis... Ah, et puis tant pis. C'est vrai, je ne suis pas un forgeron. Je m'appelle Arthur Carty, voleur et fugitif. Mais d'accord. Un homme bon, un homme travailleur et repentant. Un gibier de potence. Parce que tu m'as montré que je pouvais l'être. Je fais de mon mieux pour mener une vie meilleure, je vous le jure. Que vouliez-vous fuir? Uniquement les conséquences légales de mes activités illégales. Ça va être compliqué encore cette affaire. Quand vous avez demandé à divorcer, votre mari vous a menacé. C'était la première fois? C'était la première fois que je demandais à divorcer. Mais pas la première fois qu'il levait la main sur moi. J'aimais mon mari autrefois. Je pensais qu'il me comprenait. Mais Fortune était un homme colérique. Et quand il était en colère, j'étais en première ligne. Peu importe la raison de sa colère, elle se déversait toujours sur moi. Toujours sur moi. Parlez-moi de votre rencontre. C'est une drôle d'histoire. Je te laisse la raconter, Nelly. Pendant le trajet, Fortune était malade. Il était reclus sous le pont. Je prenais l'air quand le temps le permettait. Une nuit, j'ai entendu une voix dans l'obscurité. J'aurais dû fuir, mais à sa voix, j'ai su que je n'avais rien à craindre. Et j'avais raison. C'était la gentillesse incarnée. Nous sommes devenus amis. De très bons amis. Des complices de meurtre. Bon. Vous m'avez demandé de retrouver votre mari, Madame Eaton. C'est ce que j'ai fait. Son cadavre repose au fond de l'océan. Et son fantôme vous a suivi jusqu'ici. Je m'en suis déjà débarrassé une fois. Que faut-il faire pour m'en débarrasser encore? Coucou, je suis là. Alors... Bon, lui, je peux plus voir ta gueule. On va le bannir, ça, c'est sûr. Fortune Eaton. Dans la vie comme dans la mort, vous êtes rongé par la colère. Il faut partir. C'est moi qui l'ai créé. Elle m'appartient. Je l'ai façonné. Ils me l'ont arraché. Votre travail et votre nom reviendront à Arthur Carty, tandis que vous tomberez dans l'oubli. Nelly s'occupera de la forge, et le monde connaîtra un meilleur Fortune Eaton. Il n'y a, et il n'y aura jamais qu'un seul Fortune Eaton. Moi. Non, c'est fini. Disparaissez. Rien ne vous retient ici. Ça y est? C'est terminé? Oui. Il est parti. Qu'allez-vous dire aux autres? À notre sujet? Si je vais révéler votre secret au reste du camp? Non, je le garderai pour moi. Bon, elle, j'ai besoin de sa boutique. Et voilà, on n'a pas eu le choix, donc... Bon, par contre, on n'a pas récupéré... On n'a pas récupéré d'essence vivante pour faire renaître ma meuf. Vous avez ma reconnaissance éternelle, monsieur. Merci. On s'attrapera sur d'autres. Merci, monsieur McRae. Merci de nous avoir laissé une chance.
J'espère, en tout cas. Ok, nickel. Bon, voilà, ça c'est fait. On a un petit point à caser. Le point d'essence... Une essence permet d'activer une présence. Une présence. Ah. C'est les trucs en bleu, là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Ah ouais, ça c'est bien ça, je vais le prendre. Voilà. Oui, parce que ça, ça ne me va pas. Par contre ici, esprit implacable. Chaque attaque au point augmente de 7% et les dégâts des attaques au point d'Antea. Ouais. Bon bannissant. Utilisez la manifestation bon. Lorsque la jauge de bannissement est pleine, augmente de 500% les dégâts de la manifestation bon, mais consomme tous les points de bannissement. Ouais, mais c'est une attaque très forte pour elle. C'est pas une mauvaise idée, ça. Je vais l'activer. Voilà. Et je n'ai plus de points, donc je n'ai rien d'autre à faire pour le moment. Voilà. Bon, eh ben, on repartira de là la prochaine fois. Je vais sauvegarder. Et voilà pour cette nuit. J'ai avancé, mais j'ai un peu exploré. Faire une nouvelle sauvegarde. Et je n'ai résolu qu'un seul cas, en fait. Sur les trois qui m'étaient proposés, je me suis occupé que de la forge. Eh ben, ça occupe du temps, un peu. Hein. Ça occupe du temps. Voilà, 2h46. C'est celle-là. C'est bien ça, hein. C'est bien l'heure qu'il est. 2h, voilà, c'est ça. Ok, bon, voilà. Eh bien, à suivre, hein, j'ai bien envie de faire la suite, de monter de niveau, de continuer à m'équiper, de faire les donjons, entre guillemets, que j'ai, les sources du mal que j'ai ratées, là, parce que, visiblement, on n'était pas assez fort. Et puis, voilà, j'aime bien l'histoire, j'aime beaucoup les personnages, il y a un enjeu assez fort, il y a des pouvoirs sympas à utiliser, bon. Pas forcément toujours très spectaculaire, il y a un petit côté un peu répétitif, mais j'aime beaucoup le système d'enquête. Ça, par contre, c'est vraiment très très réussi. C'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà, et bien écoutez, s'il y a encore des gens à l'écoute, je vous souhaite une bonne nuit, et puis bah, prochain stream demain, pas forcément en vocal. Mais en tout cas, on continuera cette aventure-là. Parce que les quêtes annexes sont très intéressantes. On cherche un moyen de retourner dans le village pour combattre le boss démon qui a tué ma femme. On a une bête du Gévaudan qui traîne apparemment, qu'on n'a pas trouvé encore. Il y a des quêtes dans ce petit village-là, dans ce camp-là qu'on n'a pas encore réglé. Voilà. Donc je ne sais pas combien de temps dure l'aventure, il paraît que c'est pas très très long. Mais enfin, en tout cas, il nous reste beaucoup de choses à faire. Est-ce que l'histoire se prêtera et le succès du jeu se prêteront à un spin-off ou à une suite avec Dontnod, c'est possible. Il y a certaines de leurs œuvres qui ont eu des suites, hein, comme Life is Strange, par exemple. Mais ça n'a pas été le cas pour d'autres jeux très réussis. Pour le moment, en tout cas, comme Vampire, par exemple. Faut voir, mais là, c'est une licence nouvelle, originale, avec
une situation qui ne s'est jamais présentée. Un couple de chasseurs de fantômes, dont l'un cherche à faire revivre l'autre qui est morte, quitte à être amené à trahir ses idéaux et sa vocation, à travers une contrée sauvage de la fin du XVIIe siècle, aux États-Unis, qui n'étaient pas les États-Unis encore. C'est vraiment très intriguant et très réussi, voilà, dans son genre. Bonne nuit à tous !